bon, finalement, c'était un gros fail. Du coup, on est maintenant à Shibuya, mais il n'a pas l'air de se passer grand-chose ici non plus. Alors, on est le 26 octobre et ce week-end, je vous emmène avec moi pour aller voir les événements autour d'Halloween à Tokyo. Alors, vous allez peut-être me demander pourquoi ce week-end alors qu'on n'est pas encore Halloween? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, même s'il se passe certainement des choses le jour même d'Halloween, la grosse partie des festivités se passe le week-end avant, surtout le samedi soir, mais aussi le vendredi soir et le dimanche, puisque bah, les gens sont en week-end, donc c'est plus facile de faire la fête. Donc du coup, généralement à Tokyo, l'endroit où il faut être pour Halloween, c'est Shibuya. C'est là que tout le monde sort vraiment déguisé, avec des costumes super élaboré, donc vous pouvez juste vous promener dans la rue, prendre des photos, voir un petit peu tous les gens déguisés, et évidemment après aller dans des bars, faire des choses comme ça. Mais cette année, le gouvernement ou la mairie, enfin en tout cas une institution, a interdit les festivités d'Halloween à Shibuya, ou en tout cas à l'extérieur. On peut faire des choses dans les bars, dans les commerces, mais par contre on peut rien faire en extérieur, dans les rues. Ils avaient placardé des pancartes un petit peu partout, et je crois qu'ils avaient même dit qu'il y aurait des patrouilles de police pour s'assurer que ça allait être respecté. Donc du coup, c'est un petit peu tombé à l'eau, même si ma coloc m'a quand même dit que les gens vont certainement ignorer cette demande et quand même sortir dans les rues. Alors je sais pas trop comment ça va se passer avec la police finalement, mais du coup, je sais pas trop si ça va être comme les années précédentes. Mais du coup, vu que je voulais quand même faire quelque chose pendant le week-end d'Halloween, j'ai fait quelques petites recherches et je suis tombée sur quelques événements qui avaient l'air intéressants. Donc le premier, c'est la Yokai Parade. Donc en fait, les Yokai, c'est des créatures fantastiques, des démons imaginaires du folklore japonais. Et donc du coup, les gens vont se déguiser en Yokai et parader dans la rue. Donc ça, ça se passe près de la station de Koenji, donc à Tokyo. Et ça se tient aujourd'hui de 13h30 à 16h. Alors bon, je suis déjà en retard, je crois qu'il est déjà pas loin de midi et je suis pas encore partie de chez moi, sachant qu'il me faut une heure à partir de ma station pour arriver jusque là-bas. Donc je pense que j'arriverai plutôt vers 14h, un petit peu en retard, mais bon, je pense que, vu que de toute façon c'est jusqu'à 16h, je devrais quand même voir un petit peu ce qui se passe. Et une autre chose que j'ai trouvée, c'est des illuminations d'Halloween dans la préfecture de Saitama, donc dans un grand parc là-bas. Je me rappelle plus du nom, mais je vous le dirai. Donc en tout cas, c'est dans la préfecture de Saitama, donc au nord de Tokyo. Et du coup, pour Halloween, ils ont des illuminations spéciales Halloween. Donc je me disais que ça pouvait être sympa parce que je sais qu'au Canada, c'était quelque chose en fait de mettre des illuminations d'Halloween autour de sa maison. Donc par exemple, quand j'habitais à Vancouver, j'étais allée dans les environs de Port Moody. Et il y avait une autre ville aussi où j'avais été, qui est juste à côté, mais j'oubliais le nom. Et en gros, les gens décoraient leur maison, mais vraiment avec des super illuminations. En fait, c'était plus que les illuminations de Noël qu'on avait en France, et c'était vachement intéressant. Du coup, bah, je me demande un petit peu ce que ces illuminations à Saitama, ça va donner. Donc ça, je pense que je vais y aller demain. En fait, ce que j'avais vu, c'est qu'ils faisaient ça un petit peu tout au long du mois d'octobre, mais que les jours où on pouvait y aller étaient un petit peu limités. Alors après, ce week-end, ils le faisaient les 3 jours, donc hier soir, aujourd'hui et demain. Je voulais y aller hier soir à la base, mais finalement j'ai eu un imprévu, donc j'ai pas pu y aller. Du coup, je vais y aller demain soir. J'espère qu'il va pas pleuvoir, j'espère que la météo sera de mon côté pour cette fois-ci. Mais du coup voilà, c'est vraiment les deux événements qui ont attiré mon attention. J'avais vu aussi qu'à Ikebukuro, ils faisaient un festival de cosplay ce week-end, mais je crois que si vous voulez y participer, il faut payer une entrée. Après, si vous voulez juste regarder, vous n'êtes pas obligé de payer. Mais après, je sais pas trop si c'est vraiment du cosplay Halloween qui fait peur, ou plus du cosplay normal. Du coup voilà, après vu que à Koenji ça se termine à 16h et que j'ai quand même envie de fêter un petit peu Halloween en soirée, je vais peut-être passer quand même à Ikebukuro, parce que ma coloc m'a dit que certainement les gens allaient quand même y aller aussi pour fêter Halloween. Donc je vais peut-être passer là-bas. J'hésite aussi avec Shibuya ou Shinjuku. Je vais peut-être un petit peu tourner dans Tokyo, je sais pas encore. J'ai pas encore vraiment planifié ma journée. La seule chose qui est sûre pour l'instant, c'est que d'abord je vais aller à Koenji pour voir la parade de yokai. Et bon, je pense que je vais partir bientôt, mais juste avant, un petit mot sur ma chaîne. Donc je m'appelle Caroline et en ce moment, je suis au Japon.
pour l'instant pour 3 mois dans l'espoir de trouver un travail. Et du coup, le temps que je suis ici, en espérant vraiment que j'arrive à rester à long terme, je planifie de vous parler de ma vie au Japon, de mes expériences, donc à la fois culturelles, plus pratiques, peut-être des vidéos aussi vraiment culturelles, avec un petit peu plus de recherche sur l'histoire, la culture japonaise, la pop culture aussi. Voilà, j'ai pas encore vraiment un plan super précis, je le fais un petit peu au jour le jour, mais du coup, en ce moment, j'essaye de poster chaque semaine. Alors bon, pour l'instant, c'est un petit peu difficile de m'y tenir, mais en gros, mon but, c'est de poster chaque semaine le jeudi à 14h, ou en tout cas, toutes les 2 semaines au grand minimum. Du coup, voilà, si vous pensez que ce genre de vidéo peut vous intéresser, bah, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et éventuellement à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Mais bon, du coup, je pense que je vais me mettre en route. Et du coup, bah, je vous retrouve tout de suite à Koenji pour la parade des yokai. Bye! Du coup, je suis arrivée à Koenji. Pour l'instant, pas vraiment de signe de parade, donc je vais un petit peu chercher. Bon, du coup, après quelques petites recherches, j'ai trouvé où ça se passe. C'est à quelques minutes de la station, en fait, c'est pas directement à la station. Du coup, là, je suis en train de me diriger. Et j'entends du bruit, donc ça devrait être pas loin. Ok, je pense que j'ai trouvé. Ça a l'air d'être un peu le lieu des festivités. Des choses qui se passent ici, mais j'ai plus l'impression que c'est des stands de nourriture en fait, ou de la musique, pas forcément non plus une parade. Du coup, je sais pas trop en fait si j'ai loupé le coche, si je suis arrivée trop tard, s'ils sont déjà passés, s'ils vont repasser plus tard. Je suis un petit peu dans le noir pour l'instant. J'ai quand même fini par tomber sur les yokai, mais ils ne paradaient plus. Et ensuite, je suis tombée sur une représentation d'Awa Odori, qui est une danse japonaise traditionnelle, originaire de la préfecture de Tokushima, mais qui est maintenant dansée dans d'autres préfectures, donc par exemple à Tokyo. Alors bon, j'avoue que j'ai pas fait énormément de recherches dessus, mais apparemment c'est une danse de type Bon Odori, qui est dansée pendant le festival d'Obon en août. Où apparemment les yokai ont aussi participé, sauf que je suis arrivée trop tard, donc tant pis. Et pour finir, j'ai vu une dernière représentation de danse traditionnelle japonaise. Alors, ça s'appelait pas Awa Odori, je me rappelle plus du nom, c'était un petit peu long. Mais je pense que c'était quand même un type d'Awa Odori, parce que bah, les vêtements et les mouvements de danse étaient quand même assez similaires. Et je crois que le nom, en fait, ça reflétait le fait que c'était plus de la danse pour s'amuser, donc pas professionnelle. J'avais besoin d'un petit coup de sucre, donc je me suis pris un café et un cheesecake à la citrouille. Bon, du coup, le
festival est plus ou moins fini, même s'il y avait encore une ou deux performances. Bon, finalement, c'était un gros fail par rapport au yokai. En fait, je pense que je suis arrivée trop tard. Et en fait, après, ils se baladaient un petit peu dans les rues, mais c'était pas vraiment un défilé, c'était plus difficile de les prendre en photo. Je les ai un petit peu suivis, mais finalement, je suis tombée sur une autre performance, donc la danse traditionnelle, je me rappelle plus du nom. Bon, je l'ai prise en photo, donc de toute façon, je vous mettrai dans la vidéo. Du coup, finalement, je suis restée pour regarder. Je crois que le concert que j'ai filmé aussi, ils sont sortis un petit peu les yokai, mais sauf que du coup je les ai pas vus, je suis arrivée vraiment à la fin. Et après ouais, j'ai l'impression qu'ils se baladaient juste un petit peu dans les rues, ils faisaient rien de spécial. Donc pour ça c'était un fail, mais finalement je suis plutôt contente parce que j'ai bien aimé les autres performances de danse traditionnelle. Donc c'était pas non plus complètement un échec. Et du coup maintenant le plan. Alors j'ai un petit peu hésité à aller à Ikebukuro, mais finalement en fait d'ici c'est un petit peu chiant d'y aller, c'est loin à pied, ça prend presque 2 heures, et en train en fait il y a un changement, il faut passer par Shinjuku, ça prend un peu plus d'une demi-heure il me semble. Du coup j'avais un petit peu la flemme, je vous avoue, et en fait en regardant sur la carte, Shinjuku n'est pas si loin, à pied ça fait 1 heure. Sachant que ces derniers temps je ne fais pas énormément d'exercices, je marche beaucoup moins que quand j'étais en Corée. Donc du coup je me dis que voilà, ça me fera un petit exercice. En plus là il fait encore bon, il pleut pas. Donc je me dis que si je veux un petit peu marcher et découvrir justement un peu les paysages urbains de Tokyo, c'est le bon moment. Du coup je pense que d'abord je vais marcher jusqu'à Shinjuku. Quand on était au Golden Guy avec ma coloc, il y avait une dame dans un bar. Donc une serveuse dans un bar qui nous avait donné le nom d'un bar qui apparemment est sympa pour Halloween. Donc du coup, je sais pas, je vais peut-être aller le checker. De toute façon, Shinjuku c'est pas très très loin de Shibuya. Donc au pire, si Shinjuku ça me plaît pas, je peux toujours marcher après jusqu'à Shibuya et voir si finalement il y a des choses à faire ou pas pour Halloween. Donc voilà, on croise les doigts. J'espère que il y aura quand même des choses. J'espère que ce ne sera pas un gros fail cette vidéo. Mais en tout cas, c'est le plan pour le moment. Bon, du coup, là je commence à m'approcher de Shinjuku. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors par contre, j'ai reçu un message de ma coloc qui m'a dit que apparemment Ikebukuro aujourd'hui c'était Sugokatta. Ça veut dire génial, mais en tout cas voilà. Peut-être que j'aurais dû aller à Ikebukuro finalement. Mais bon, après je me dis que au pire, si j'aime pas ce qui se passe vers Shinjuku et Shibuya, je peux toujours y aller plus tard, je verrai. Là il est encore tôt, je crois qu'il est même pas... il doit être 6h à peu près. Donc voilà, j'ai du temps devant. Bon voilà, j'arrive sur Shinjuku, donc c'est un peu le moment de vérité, mais c'est bon, il est encore un petit peu tôt, donc je suis pas sûre qu'il va se passer grand chose pour le moment. Mais bon, vu qu'on est samedi, que les gens peuvent venir quand même plus tôt, peut-être qu'il se passe déjà des choses. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas trop, juste pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble Shinjuku la nuit. Bon, du coup, là je suis au début de Kabukicho à Shinjuku, et c'est un petit peu là le quartier des bars et le quartier où il se passe des choses. Donc je me dis que si je veux trouver quelque chose pour Halloween, c'est le meilleur endroit. Du coup voilà, je pense que je vais un petit peu regarder par ici pour voir s'il se passe des choses. Alors, je sais pas trop ce que c'est ou si ça a un quelconque lien avec Halloween, mais en tout cas il a l'air de se passer quelque chose, donc je vais regarder. Choses qui m'intéressent. Moi le but c'est quand même de trouver des trucs d'Halloween, le truc d'électro c'est bien pour ceux qui aiment bien. Moi c'est pas tellement mon truc. Alors par contre ce qui est cool c'était que c'était gratuit. Voilà. Franchement pour ceux qui aiment bien ça, c'est un bon plan. Du coup là j'ai été checker le bar que vous avez recommandé avec à ma coloc et à moi. Le problème c'est que pour l'instant il est pas encore ouvert, et je pense que de toute façon même quand il ouvrira dans 1 heure à 19h,
je pense pas qu'il y aura énormément de monde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais marcher jusqu'à Shibuya, voir si se passe plus de choses là-bas. Et en fonction de si se passe des choses ou pas, je resterai soit là-bas, soit j'essaierai d'éviter beaucoup de moi, je pense. Parce que là pour l'instant, si j'ai plus, j'ai pas vu un magasin, enfin un bar dont la devanture était décorée pour Halloween, qui disait qu'il avait un truc pour Halloween, mais à part ça, pas grand-chose. Donc du coup, je suis passée par hasard devant la Kashita Street, donc je me suis dit que j'allais quand même un peu regarder s'il y a des choses ici aussi. Bon, du coup, verdict, il se passe rien à la Takeshita Dori non plus. Donc du coup, je pense que je vais m'en tenir à mon premier plan, c'est-à-dire d'aller à Shibuya. Je devrais bientôt y arriver, donc j'espère vraiment qu'il va quand même se passer quelque chose, au moins dans les restaurants, dans les magasins et tout. Enfin, je sais pas, quelque chose. Et du coup, voilà Harajuku de nuit, plus précisément Omotesando. Donc voilà, ça pour vous donner une idée aussi. Franchement, j'aime beaucoup la nuit. Enfin, je trouve que ça a une. C'est une autre image. Et du coup, on arrive à Shibuya. Et par contre, j'avais jamais vu cette petite rue, ça a l'air intéressant. Je vais checker. Oh, ça a l'air sympa en fait ici, même si bon, il y a quand même beaucoup de monde. Peut-être qu'en semaine, ça peut être plus sympa. Bon, du coup, on est maintenant à Shibuya, mais il n'y a pas l'air de se passer grand chose ici non plus. Après avoir patrouillé pendant un moment sans trouver de gens déguisés, j'ai commencé à avoir faim et soif et je suis tombée sur ce restaurant mexicain. Bon, du coup, là, j'ai fini mon petit dîner. Alors, par contre, leur tequila dans le resto, elle était bien forte. Franchement, je crois que ça m'a un petit peu tapé à la tête. Là, bon, je pense que honnêtement, vu le peu de gens qui sont déguisés, j'ai un petit peu abandonné l'idée de trouver des choses à faire pour Halloween. Je pense que j'ai peut-être juste trouvé un truc, un endroit où boire un verre. Il me reste encore à peu près 2 heures, un petit peu plus de 2 heures avant le dernier train, donc juste me poser quelque part pour boire un verre. Et je pense que après, je rentrerai chez moi. J'hésitais à vraiment passer le dernier train et à rentrer avec le premier du matin. Je pense que vu qu'il n'y a pas grand chose qui se passe ici, je pense que je vais plutôt rentrer avec le dernier train. Du coup, j'ai un petit peu demandé à ChatGPT s'il avait des recommandations d'endroits où aller. Il m'a recommandé un ou deux quartiers. Il m'a recommandé aussi quelques bars. Alors après, honnêtement, je ne sais pas s'ils font quelque chose de spécial pour Halloween ou pas. Une des choses qu'il m'a recommandé, c'était un bar de craft beer. Et ça fait longtemps que je n'en ai pas bu. Donc du coup, je me dis que je vais y aller, je vais voir. Et on verra. Au pire, même s'il n'y a pas d'événement pour Halloween, comme ça, je me ferai un petit bar de craft beer. Ce sera quand même sympa. Ah bah, c'est juste là. Je viens de couper l'autre vidéo, mais voilà, j'y étais déjà presque. C'est plutôt sympa aussi cette rue. Il y a l'air d'y avoir pas mal de choses à faire. Coucou, alors c'est la moi du futur. J'apparais juste ici pour faire quand même une petite transition entre la journée de samedi et la journée de dimanche. Donc en fait, juste pour conclure sur la journée de samedi, donc finalement, je suis pas allée dans les bars que je voulais. Je suis retournée à Ura Shibuya, donc dans la rue d'Ura Shibuya. Et j'ai trouvé un nouveau petit izakaya qui vient d'ouvrir, que je voulais tester. Bon, finalement, je n'étais pas forcément super satisfaite. C'était pas... L'endroit était sympa, la nourriture et les boissons étaient sympas, mais c'était pas forcément un bon endroit pour les personnes seules. Ils n'étaient pas forcément très bavards. Mais du coup, voilà, j'ai pris un petit verre et après je suis rentrée. Et du coup, bon, conclusion pour la journée de samedi, c'était vraiment un gros fail pour ce qui est d'Halloween, même si j'ai quand même bien aimé le petit festival où j'étais à Koenji. J'ai bien aimé la danse traditionnelle. Du coup, samedi, j'ai quand même bien apprécié le festival, mais par contre, j'étais un petit peu déçue de pas avoir vraiment vu de choses d'Halloween. J'ai un petit peu regretté finalement de pas être restée
rester à Shinjuku et de pas avoir essayé de chercher d'autres endroits. Peut-être que le Shinjuku Golden Guy, qui est un quartier avec plein de petits bars, aurait été mieux, peut-être qu'il y aurait plus de choses. Peut-être aussi Shinjuku Nichome, donc qui est le quartier gay de Tokyo. Bon, je sais pas trop, finalement je l'ai pas fait. Et du coup voilà, pour vous faire une petite intro sur la journée de dimanche, parce que bah, j'ai pas eu le temps de la faire avant de partir. En fait ce week-end c'était le festival de l'université de pas mal de mes colocs, et il y en avait une qui faisait une pièce de théâtre, donc du coup j'ai été la voir en début d'après-midi, et après je me suis dépêchée d'aller à Saitama pour voir ces illuminations, parce qu'en fait c'était que jusqu'à 20h30, sachant que j'avais quand même beaucoup de route, je crois que ça m'a pris 2h30 à peu près pour aller jusqu'au parc. Donc du coup je me suis vraiment dépêchée en rentrant de repartir pour avoir quand même le temps de voir ces illuminations. Mais du coup bah, je vous laisse avec les images que j'ai filmées. En fait même à côté de la gare c'est décoré, il y a plein d'illuminations, franchement c'est vraiment joli. Ça y est, je suis enfin arrivée dans le parc. Ah, il y a la musique de Harry Potter qui vient de sortir. Franchement c'est trop mignon, honnêtement le trajet est long mais ça valait le coup. C'est trop mignon, c'est un mix d'illumination normale et de trucs pour Halloween, donc franchement j'aime bien. D'ailleurs, une chose importante à préciser si vous voulez voir des illuminations dans ce parc dans le futur, c'est que le parc n'est pas juste à côté de la station, donc en fait il faut prendre une navette. Faites attention à ça d'ailleurs, parce que le soir, il y a seulement une entrée qui est ouverte et on ne peut pas y aller avec les transports en commun normaux, donc en fait il faut prendre une navette spéciale. Et le truc, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, donc là il y en avait une toutes les heures en semaine et une toutes les demi-heures le week-end. Franchement, j'aime vraiment bien ce petit jardin aussi, c'est tout mignon. Bon, là c'est pas exactement Halloween, mais on part un petit peu sur un jardin gothique, je trouve. Bon, là, ça va bientôt fermer. C'est vrai que c'est beaucoup moins bondé de monde, du coup. Et voilà, c'était les illuminations d'Halloween. Franchement, pendant un moment, j'ai eu vraiment très peur que ça devienne un fail aussi. J'avais peur parce qu'il prévoyait de la pluie à un moment donné et les illuminations devaient être annulées s'il y avait de la pluie. Donc du coup, c'est vrai que j'ai checké la météo toute l'après-midi. Ils disaient sur leur site en fait qu'ils allaient le dire à 14h si ça allait se tenir ou pas. Donc j'étais là en train de vérifier si ça allait se faire. Finalement, ça s'est fait. J'avais aussi un petit peu peur parce que bah, vu que j'ai été voir la pièce de théâtre de ma coloc, j'avais peur de finalement être en retard, et je vous avoue qu'à un moment donné, puisqu'en plus l'université elle est loin, je m'étais perdue en rentrant parce que je voulais chercher un kawaii quand même, et ouais, à un moment donné en fait je me suis demandé si j'allais pas arriver trop tard et pas avoir le temps en fait de bien voir les illuminations.
J'ai eu la chance parce que mes trains se sont quand même bien goupillés, j'ai pas eu de retard. J'avais, je crois, trois changements à l'aller et trois changements au retour. Et heureusement, aucun train n'a eu de retard ou peut-être juste une ou deux minutes. Donc du coup, j'arrivais quand même à rattraper. J'ai couru à un moment donné, mais j'ai quand même réussi à avoir tous mes trains et arriver à l'heure que je voulais. Du coup, j'étais contente par rapport à ça. Et franchement, même si ça m'a pris super longtemps pour y aller, donc ça m'a pris 5 heures en tout de faire l'aller-retour, sachant que sur place, j'y étais peut-être 2 heures, un truc comme ça. Donc bon, c'était beaucoup de trajets pour pas très longtemps sur place. Mais franchement, j'ai trouvé ça vraiment magnifique, vraiment mignon. En plus, là, c'est bien, il fait pas encore trop froid, mais il faisait quand même un petit peu frais. Donc on sentait un petit peu l'ambiance d'automne, début de l'hiver. Comme dit, les illuminations étaient vraiment très belles. C'était un petit mélange en fait d'Halloween et d'illumination normale. Je pense que le parc peut être aussi sympa à visiter en journée. Je me demande si ils font de nouveau. Il me semble qu'ils vont faire des illuminations pour Noël aussi à partir de. Je sais plus quand, en novembre. Et j'hésite un petit peu à y aller cette fois-ci, mais je me dis que si j'y vais, j'irai peut-être déjà en journée pour pouvoir un petit peu profiter du parc. En journée, le voir sans illumination et après rester pour les illuminations. Mais du coup voilà, c'était mon Halloween à Tokyo. Je sais pas encore si je vais faire quelque chose le jour même d'Halloween, c'est demain en fait au moment où je filme cette vidéo. Je pensais peut-être faire un round 2 et aller de nouveau sur Shinjuku, essayer d'autres quartiers ou alors essayer le bar donc qu'on m'avait recommandé qui n'était pas ouvert au moment où j'y avais été samedi. Mais finalement, je vais certainement aller au karaoké avec mes colocs et c'est un petit peu le seul jour qui convient à toutes celles qui veulent participer. Donc du coup, je pense que je vais pas y aller. Et bon, de toute façon, même si j'y vais, je pourrais pas le poster sur cette vidéo parce que j'ai l'intention de la sortir le jour d'Halloween, donc demain. Si je finis quand même par y aller, je pense que je posterai ça sur Instagram et ou sur TikTok. Donc d'ailleurs, bah, j'en profite pour vous dire que oui, je suis disponible sur Instagram et sur TikTok. Je pense pas que j'aurai la place de vous mettre les noms des comptes sur l'écran ici, mais c'est en barre d'infos et aussi je vous le mettrai à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'était un petit peu un fail, en tout cas pour la journée de samedi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce vert, de partager cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait beaucoup. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des questions ou des suggestions pour une prochaine vidéo. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Matane !